Vous vous demandez certainement ce qui se passe. Et qui est cet homme qui vient de me déposer ici? C'est Jean-François Veillard, mon créateur. Et croyez-moi, son histoire est absolument incroyable. Installez-vous confortablement, nous allons, mes amis et moi, vous la raconter. Jean-François est arrivé un beau jour dans la région. Il venait de Paris où il avait fait toutes ses études. Il avait travaillé comme décorateur pour l'événementiel, le théâtre, le cinéma. Il avait vu beaucoup de monde travailler comme un fou sur des projets qui s'enchaînaient. Épuisé, il décida de partir à la campagne pour souffler et se ressourcer. Il est tombé aussitôt amoureux de ce coin de paradis, et notamment de notre chère forêt. Porté par ce lieu, il a décidé de réaliser son rêve et de se lancer dans la sculpture. Et un matin, il décida d'aller couper du bois dans la forêt. Mais il ignorait que cette forêt était magique et qu'un esprit très puissant l'habitait. De retour dans son atelier, il se mit à sculpter fébrilement et donna ainsi naissance à un étrange personnage. Il fut très fier du résultat. Épuisé, il s'allongea sur son canapé et s'assoupit. Il eut alors des visions. Et une voix impressionnante retentit dans sa tête. Misérable étranger, qui t'a permis de détruire les branches de mes adorables compagnons? Tu ignores que je protège cette forêt des gens comme toi depuis des millénaires et qu'aucun bûcheron n'ose s'aventurer dans ces lieux. Tu seras puni pour ta cruauté. Jean-François, à la fois terrifié et confus, présenta sa sculpture à l'esprit de la forêt pour tenter d'apaiser sa colère. Il s'excusa mille fois, dit à l'esprit qu'il n'était qu'un simple artiste et qu'il souhaitait seulement donner vie au personnage qui peuplait son imaginaire. L'esprit, touché par la sincérité et l'humilité de Jean-François, réfléchit puis prononça ces mots. Le personnage que tu as créé avec nos branches a l'air doux et drôle. Et toi, tu me sembles être un homme plein de bienveillance et de fantaisie. Je te propose d'établir à partir d'aujourd'hui un pacte. Tu pourras continuer d'utiliser le bois de mes compagnons, mais en échange, tu devras venir présenter chaque œuvre que tu auras achevée à mes frères, les arbres. Cette forêt est ancienne et mélancolique. Nous sentons bien seuls aujourd'hui. Tes personnages seront les bienvenus ici. Jean-François, ravi, se mit aussitôt au travail. Il œuvra nuit et jour pendant des semaines. Son imaginaire n'avait plus de limites. Soutenu par l'esprit de la forêt, ses doigts étaient infatigables et sa liberté totale. Dès qu'il avait achevé une œuvre, il allait présenter fièrement son travail à la forêt. C'est ainsi que Jean-François donna naissance au petit peuple de la forêt. Si vous voulez un jour apercevoir l'un d'entre nous, faites le moins de bruit possible. Et surtout, levez la tête et scrutez la cime des arbres. Il y a toujours une place ici pour les âmes créatives et bienveillantes.